Kamnono kemnono matso kemnono uzidi na uona. Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes, l'avènement du nouvel an m'offre l'agréable opportunité de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 et de vous adresser à toutes et à tous, à l'intérieur du pays comme à la diaspora, mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite et de prospérité pour vous-même, vos familles et vos proches. Par la même occasion, je joins mes prières aux vôtres pour qu'Allah le Tout-Puissant fasse de l'année qui commence une année de paix, de concorde nationale, de progrès pour notre cher pays. J'adresse également mes meilleurs vœux à nos frères et sœurs, à nos amis, ressortissants étrangers qui vivent parmi nous, ainsi qu'à leurs pays respectifs. Au seuil de ce nouvel an, j'ai une pensée particulière pour tous les peuples, frères et amis, en quête de paix et de liberté, et dont les pays sont victimes d'occupations illégales, à l'exemple de la Palestine, de violences, de guerres et de terrorisme, ou d'autres fléaux des temps modernes. Que l'année 2020 soit pour eux et pour nous tous synonyme de sécurité et de quiétude. Mes chers compatriotes, en pareille période de l'année dernière, notre pays était dans une phase de mise en œuvre de différents chantiers pour impulser une nouvelle dynamique conforme à la vision qui est la nôtre de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Toutefois, l'année 2019 a été aussi une année de dures épreuves en matière de sécurité et de cohésion nationale. Nous avons connu une période pré- et post-électorale très difficile, dont ont souffert nombreux parmi nos compatriotes. L'État a assumé ses responsabilités en apportant toutes les solutions indiquées afin de renouer avec l'apaisement, la sérénité et la concorde dans notre pays. Toutefois, de nombreux compatriotes, notamment des frères et sœurs de la diaspora, se sont alarmés et se sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature dans notre pays. J'espère que toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de se rendre et de se retourner au pays ces derniers mois diront aux contestataires qu'aucun d'entre eux n'a jamais été inquiété pour dissiper la fausse image qu'ils ont de leur pays. J'espère qu'ils leur diront que la peur et la dictature contre lesquelles ils disent lutter à l'étranger
n'existent que dans leur esprit. Ainsi, ils contribueront à combattre avec nous la prolifération du discours de haine à laquelle nous avons assisté ces derniers mois, de la part notamment de nos frères et sœurs vivant à l'étranger et qui parfois a abouti à des agressions physiques. Est-il nécessaire de rappeler que notre pays a toujours eu une relation saine avec la diaspora, des frères et des sœurs qui ont toujours mis en avant leur appui et leur soutien indéfectif envers leur pays, à travers notamment leur soutien à notre économie. Ne devons pas alors laisser quelques éléments incontrôlés compromettre cette relation. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous continuons à faire confiance à notre diaspora et que nous l'invitons à venir apporter tout naturellement sa contribution et son expertise au plan commun émergent. Mes chers compatriotes, notre élan pour le redressement de notre pays a été interrompu quelque temps par le passage du cyclone Kenneth et ses effets dévastateurs. Ce cyclone, d'une violence sans précédent, a touché tous les secteurs sociaux du pays, a fait des victimes, des blessés et a affecté tant de personnes à différents degrés. Nous avons alors dû, pendant quelque temps, revoir nos priorités en concentrant nos efforts sur la mise en place d'un plan de relèvement et de reconstruction. Je tiens à saluer à nouveau l'élan de solidarité nationale et internationale qui s'est alors manifesté, mais malgré l'impact de cette catastrophe sur notre pays et nos activités, les efforts que nous avons tous consentis nous ont permis de maintenir la régularité des salaires et de poursuivre la mise en œuvre de nos projets de développement. Nous avons ainsi mis en œuvre sur le terrain une politique de construction, de réhabilitation et de rénovation de nos infrastructures routières et lancé des chantiers de construction des routes secondaires et des voiries dans notre pays, qui facilitent sans conteste la vie quotidienne des Comoriennes et des Comoriens. Le chantier de construction du centre hospitalier El Maarouf a continué à évoluer de façon satisfaisante. Nous avons poursuivi nos efforts pour la production d'énergie. Nous avons également fait d'immenses progrès dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, ce qui a permis aux Comores d'être reclassés par la Banque mondiale et de passer des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires. Ce classement se justifie notamment par les performances économiques enregistrées ces dernières années et qui ont permis la relance de la croissance économique qui a atteint 3,8 contre 1% en 2015. Mes chers compatriotes, nous débutons la nouvelle année avec une vision encore plus claire qui va nous permettre de mener notre pays vers l'émergence, grâce à l'atténuation avec succès, récemment à Paris, de la conférence des partenaires au développement. Cette conférence, comme vous le savez, a enregistré de nombreuses annonces financières d'un montant global de 4 milliards de dollars, un engagement financier conséquent qui s'aligne sur l'agenda 2030 pour le développement durable et qui permettra à notre pays de construire les bases d'un pacte social fondé sur une vision partagée d'une société juste, démocratique et solidaire. Je renouvelle ici notre profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont pris part, en particulier la France, pays hôte, la Banque mondiale, l'ABAD et le PNUD, qui ont largement contribué à sa préparation, son organisation et à sa réussite. Un comité de suivi sera incessamment mis en place pour garantir une mise en œuvre diligente des recommandations et des annonces de cette conférence. Mes chers compatriotes, l'année 2020 sera, Inch'Allah, l'année de tous les espoirs.
Grâce à la réussite de la conférence des partenaires, nous la débutons avec la conviction de bénéficier de financements conséquents pour la réalisation de nos projets phares, de nos projets structurants et de nos projets sectoriels, plus particulièrement la formation, l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Nous allons cette année aussi avoir l'occasion de consolider le dynamique de notre démocratie à travers la tenue d'un double scrutin législatif et communal. Je vous demande ainsi de veiller chacun en ce qui le concerne à la tenue de façon libre et transparente des deux scrutins subventionnés afin de confirmer la maturité politique de notre pays, mais aussi d'assurer l'élection des parlementaires soucieux du bien-être de leur pays et qui œuvreront donc en faveur de sa propre cité. Je souhaite donc saisir l'occasion de l'avènement de ce nouvel an pour vous demander, chers compatriotes, de redoubler d'efforts afin de faire 2020 l'année du lancement des grands chantiers qui nous mèneront vers le progrès et la prospérité. Je demande alors, dans un premier temps, à chacun d'entre vous d'apporter sa contribution à la réussite du suivi de la conférence des partenaires pour que les engagements financiers pris à Paris puissent se concrétiser rapidement. Cette opportunité pour lancer un nouvel appel à l'endroit de l'ensemble de mes compatriotes en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans notre pays. Les conditions sine qua non à l'attrait des investissements étrangers dans notre pays. C'est dans l'unité et à travers le dialogue et la concertation sincère que nous réussirons à transcender nos différends, mais aussi et surtout à relever les défis que notre pays connaît actuellement. Chers compatriotes, pour m'aider à relever ce défi de la consolidation de la paix, car il reste vital pour le développement harmonieux de nos îles. Mes chers compatriotes, je tiens à saluer le travail remarquable effectué tout au long de l'année écoulée, en dépit des contraintes que nous avons connues. Je tiens également à saluer le soutien indéfectible que vous ne cessez de m'apporter, toutes et tous, mes chers compatriotes, à l'intérieur du pays comme à la diaspora, et pour la confiance que vous avez témoignée à mon égard. Je salue votre sagesse, votre sérénité à la maturité dont vous avez fait preuve, notamment en refusant de céder à la panique, à la peur, aux appels, à la haine, à la violence. Toutefois, n'oublions pas que nous avons encore un long chemin à faire qui nécessite l'implication de chacun d'entre nous. C'est dans ce sens, dire ici la nécessité impérieuse de nous attaquer à un mal qui ronge notre pays depuis des années et qui handicape son développement. Il s'agit, et je pense que vous l'avez tous deviné, du fléau de la corruption qui gangrène notre administration en général, qui cumule déjà des lourdeurs injustifiées, et connaît une incompétence notoire à plusieurs niveaux et dans de nombreux domaines. Il est temps de secouer et de redresser cette administration. Nous devons en effet, en ce début d'année 2020, mener un combat sans merci contre ce fléau qui constitue le principal handicap qui dissuade les investisseurs étrangers de venir s'installer dans notre pays et qui fait fuir ceux qui sont sur place, tu as ainsi l'esprit d'entrepreneuriat au niveau local. Nous devons combattre ce fléau afin de donner toute la fiabilité et la crédibilité nécessaires à notre système judiciaire, qui est le garant des investissements nationaux et étrangers, mais aussi le garant de la justice, de la paix et de la sécurité de notre pays. J'insiste sur cet aspect, car tant que nous n'aurons pas gagné ce combat, les appuis étrangers que nous recevons et les efforts d'assainissement que nous ferons au niveau national n'auront que peu d'effet.
Et je voudrais alors, à ce stade de mon propos, m'adresser en particulier à mes frères d'armes pour leur renouveler mes félicitations et mes remerciements pour leur engagement sans faille dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi pour leur dire qu'en toutes circonstances, ils doivent montrer l'exemple en matière de respect de la loi et des règlements qui régissent notre pays et leur rappeler que nul, y compris moi-même, n'est au-dessus de la loi. J'attends donc de vous tous et de tous les fonctionnaires une plus grande implication dans les missions qui vous sont assignées, un élan encore plus dynamique, et de vous tous, les responsables de département, des actions concrètes pour mettre fin au laisser-aller dans notre administration. C'est en nous débarrassant des mauvaises habitudes pour une administration novatrice et performante que nous gagnerons le pari de mener notre pays vers l'émergence et répondre ainsi aux aspirations légitimes du peuple comorien pour plus de paix, de stabilité et de développement. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous, mes chers compatriotes, une très bonne et heureuse année 2020. Que Dieu bénisse notre pays, Inch'Allah. Je vous remercie. Tukwa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haruma umkonti wa hatu. Ukatiyama leo, si ujabanu, ujari fereshiana, omahawanyumeni ujao. Mangine mana nzingarao shabahashinu. Wanama wa Komori, rualo hunundani, rualo bonze. Nimbushire ni mwahamwema wa kheri kamga benze. Ujodi bela kheri sonti pia na amani na unro. Urinke na leo na maudu njema henti ya hatu khususan. Haruma wana hatu wajawe kamu kwa benzi. Zingarisha bahashin tena, wananyasi wanzani watu walobanu, baike utuwa henti hatu, niwambe kaya bau tena, nga mwabushiru muhamwema, rao rezenti za hao, rezefami za hao. Yabwe inadi, wanwabe zabira, harumu mahao jao, nizijao, demana karjuka ufubi. Yabwe zabira, harumu mahaunu, nga rizijua sonsipi, alhamdulillah, rizienshi. Ribiri maha, mwema alhamdulillah, na shukuri mku. Baikezo kweli makababu za tabu. Hausikitifu. Rizo yake na katiba lo voti na mbuna manga razo demokrasi durukuka na ze problem. Wegumu ya janlie ze voti nizifanya wa maudu. Ribadili onkade uo. Rende haruma ze voti ni mbende ambe izwa fikiriu. Yafanya ila hakia hae. Shambati sahia minye au kaya ya mungu tuwa rwenti tabu. Hebo nge rienshi. Randiza sizi uja referendum hata ze voti za unumaha. Zitabu za jiri, karnavu zile jayi, izoru mba mnguri mshukri ya unuka alhamdulillah. Yesirikali kamili, na nyinyi wako mori, mtanganyiha ari swarifu zitabu hizo, mnyezi mga baha jalia, rinjia, haruma mendeleo, ya mmeshi wa kawaida, ebonge lazima rishukuri mungu ni mshukuri yeni. Rele wa sonti pia uri wa unu za jiri za huwa nanyasi wa head diaspora, wakunga rusikitao shi wasaya, wakaswa nuru amini uka ya alhamdulillah, kinyume ya diaspora zinji, ya diaspora hatu ilo Faransa nge saidi yao, maendele ya hatu, nge saidi yao sontipi, wenge si uzambakadu zinji, katajo kanza rahadisi, ngaru wa stehi, ngaru wa nzao, wenge eza jirijuzi, ukawende wajiri, nongo wakarujwa wakakajali ngari nse hatu, sinda hunda niti dabo nze, Zauka ya wanwa rongo we yoti tabu shanwaji hata wadu ulana nga mbombo mgu kaya gazijoka za bahanu kamu kwa benze. Ritanganyeso ntipia rijo kaya siwa komori ya abu lathimarki wazima hema indelu ya hatu. Honru wa hatu hema udu ya hatu. Mgwa jangalia alhamdulillah haini mwaha mwaja uka dunzima uka dumbili. Reka june haweka desambro. Waja alhamdulillah waono wafanyo mashuhuli kumbria hundata na batabu. Wengine wa rejiwa mbewa na nyaolo iho, ke ediktaturu wa ivumba ongi, yu harumaze fikireza hao, shakaiti harumunti ya hatu. Umahabira, ritabi shiwa, nesikilo ni ambao keneti, shalhamdulillah, narushukuri, ngaruo nao zenye, yeze, zenungo zile mahalazjiru zonti pia, aze degazifanya hao, rezenti nku, rezenti ntiti, wengenti ya hatu ya tabu ntiti, rahunda nane, upepo ula, Izo kweli ufanya tabu zinji. Hajwa uka ngabo wanadamu wafariki, ngabo mali zinji zahenda.
Shanashukure ukaya mnyezi mungu atusaidia. Au kaya wangazija wa zamba ukakairizi nwa nazinuaji. Jojo vijanzi roha nazila. Mungu anashukuliza haja. Mungu ajala alhamdulillah. Hisonsi piyari tanganyi. Arasi. Rwana nyasi. Anurambao ma partener. Ari. Ari yangalie za jiri. Rifanya na zaufanya hata nuandu wa duwarje haruma maesha ya lazimu. Alhamdulillah riwaswili. Abonga mshukurio wanama mafunksioneri. Haukaya wakubali watoa mapesa hao. Nwarisaidia za tabu hizo. Na mapesa asaya Bank Mondiali FMI. Warisaidia garjon janziani. Mwaja alia rishinde ze tabu za jiri haruma sikilonio. Rishinde rizireleve rirejei haruma ekawaida. Ala kuli hal. Arisa izo kweli ukatia haja wanuma ekonomisto mba ukai kurasansi sihi. Shia alhamdulillah haba hai heya. Yodi za tonga. Rambilwa sonti pia ukai Bank Mondial. Warito wa harumaze nti za tabu. Rehe harumaze nti za hari na hari. Hata mauduri jo harumaze nti hajo kamnezi mgu wabenze. Antu kamnezi mgu ye kanazi mshindawu. Yabo ekeneti hiviri rudite na randisa zehazi. Nga mzi honao. Zepare. Amonao za humenje. Ngamona uzazi pia rakafanya zitanziani. Mgwa jangalate na ila pitali elmarufu ngedeli yao. Ngamungu mgu haraka ihise. Zita abu za uruharidebo nzira tehunono. Mgwa jangale shide dozi hunda hunu. Eka mgwa benzi. Yabo kwezi watu kufu omaha unu. Rizaba sonti pia. Unudo maha wa emergency. Wakati ula meseika mzozi. Shaba hangi okweli. Hakarika hamba. Chamye zimwa rishilia ukayari ndere fanye conference ya Paris. Midungu nyoti pia au pande uonga ngamferesheo wa nama wa RTC bafanya hazinjema mashallah. Au kaya wandwa ka France wakaudunga haruma RTC midungu hunu muone ukaya kabati ndabu za hamba wandwa porwa waja ula utukufu hu akamre para katuhe. Wale mana mndenda o balanga bo amili France. Waja mwisheli warongo alhamdulillah. Zindabwe zamba o kadha 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 kwa jazija. Shawa mba kangari aminiu nungarijo huja. Jeri msaidieni hata wamba. Nemruha mbama mjotua mapesa fulani. Mapesa tolo wabu ya vumbula wabu. 4 miliardi euro. Ukaye muhimu doka ya abu izo zibiri. Yuhamba etapu ya sabiri. Habaha etapu ya baki habaha. Arjo kafanyaji hata zenungo zilari zitenziani. Zenungo anroishi ya waona wazione jahu. Yodo pande huko abaha inunga mtaho. Wanama onti pia tanganyihe, rende, harumwe hazi hiyo. Kina ukanyangu, shamunga hebenza. Zenziro lirungo zingaro. Mana ratungulari jebanu, doka wako mwari wari. Amini, kakarujo shinda ringare zenziro. Shazi nyangu zimba tujofanya. Shala kulihali, sinawujwa ukaya kanzamba tena. Na beshila marhaba, wananyasi wa Faransa. Wakubali raifaya pari. Ibishile marhabe Bank Mondiali wakubali tena renda haruma ya biro ya hao. Watowa ni za lazimu zifanyihe. Ni konferansi bire. Hawa nanyasi wa Bank African Development. Mabadi hao prud. Boko ritanga njihane AFD hunu. Rikawi prepare hundanzi. Warudungu rende rifanya. Mwengenga mwombo mungu kaya omdunga no ula. Gujoshi na wendele. Hata namna kaze ngozila. Resistenziani hauka. Wafakari wa hatu sonsipi. Wafakari wa hatu sinakautaha mgwa hibenza. Shau fakhari wao wakauta hawa saidiye wajifakhari uka msaada wa utowa wajatoa msaada wa bure. Kwezo watukufu yabo amjotimiza harungo mbili haruma ehazilo nuinu ya emergency. Handani de ama anu salama abukutu hamba. Gazi yoshu sonsipi. Wahanga runawe zijiriu. House kitif. Chizinji wananyasi hawanza nuatu. Rekaza dini, rekatiza dini, nganzi haruma tabu ya wana. Ngabaluwa nubonze, waja wa wana, shahata nguwa jiwa nao haruma enti. Wafuwa na damu, mengo miraru, mengo mine, mengo mitamu na tajani. Wenge zira na zirisome, nyezi mwaja alieri wambedu wazti wa hunde hakala wananyasi, shazirisome batu, mwaja alesi jirihu. Na abo ndasi, zordongo hambo kaya ritwe fatiha, rivurizene shejibwe. Ukayae konferansi hila, alhamdulillah. Ze fatiha za kautora huno mahala nyonti pia. Ikauja mwezi wa maulida. Ndwa kautuwa ze fatiha. Shage jatosha. Hauka wanaha nyuwafanya hazi de bana zakiri. Ewa ngele oma vu amani ulo mahala ni pia. Hauka amanike hunu. Izo kuwela rujotuwa ze fatiha. Shale zima haini mru. Yari ngele fungvula. Ngabo ntizi ya matabu amani.
Wajaja wa wanjirwa, hamadon nyaswa Palestine, mayahudi waja wa dhulumu. Shanda oha wao, mraya ha mraya, mji ha mji ngotungo ujiwana. Wenge hewe, narfahamu. Narfahamu akana hatu mwawonazo nguwezo wa mazi telefoni, watirenge izo, shawarengeze njema, shawatirengeze mbi. Aboso ntipi anzori fanya hadhar, haini mriba hanuya liyo, yaone kaze nguzi nja paziona, zinja paruzishia, iza jiri hindi. Amangam jose darjazo tipia, ngabo chef de village, ngabo meri, ngabo prefe, hata arje waswili, onivuwa hedaula, zirenge na zaurenga, nwenti hatu ibaki armu amani haukai amani iyo, mwa hebenza. Yode nae mankuri, tahao, haka yode yotonga ina mdulo na mapesa, abali ya rere. Kawati mnyo kana mapesa, ya bali ya jarumati moku kana ushidaenshi. Shena katoju doka intingyo na amani, doa juba le mapesa hao waje, wajua fanyezi haza hao, zihazao zirifai. Zihazio mwono kailiza hamba. Harume konferansi wa tolwa projezi inji harifari struktura na sektoriel ema specialisti dojo hamba. Shangabonzi imairi husubo kwa nganduandwa uwaje do huswa na hatu mashababi mwaja alifanshawiri wa kehazi wadufanya hazi. Hakaina katojo kana hazi wafanya udojo kamake. Leori para wanduwaje wafanya loteli wafanye kadha na kadha na kadha. Ketula dhimuandwa uwa bali wanduwa hazi wa hawoja hunu. Kwa na uwa bali ya kageju kagali. Ya kwa na huja. Sheka wa hunu wanduwa hazi una ni wandu wa somazi hazi. Yangwa u formation professionnel. Yabo gejo uwa jivia ukabo. E hazi yao gejo ukanyango. Watu sisika rjo hunda. Arjo hunda kado mbili. Haka hawa helo teli. Ya munga rhuza umba hindu. Shaharu ditena harenge mduwa hazi. Yabo sika rjo hunda. Ya munge opande uo. Waka amanika ye. Yungi yo muhimu waka lejo tonga zengozo pia zinjenziani. Mgwaja alia nga wajitolea o mahaunu. Eka mga wende 2020. Garjo buwele koli hiyo ya ho uforme ma jen. Harumaza ampla profesionel. Mgwaja alia rikina mori ziwane sangbozo wa fatiha. Wafanyi hazili ziwane kama wende nilike makini. Nungu ya bili kwezo watukufu. Mruwamba korupsio. Amumjua unyotipi. Wakati uja kwezi wanama wa administration kaya nungwela ikaze bahanu. Nikaze bahanu. Ukaya ngazi wawson tipia. Ukaya ila inabahanu ilioka wanamda parunda fanyi hazi. Nabo yueke la wonzi ya haja. Shasisi wa sido tungu hifanyi. Mungaba nga mnongozo ya administration pia kamili. Abate sektor prive shele. Bahari kaba na korompi san korupteur. Ukaya leonari haraye. Na mrujo ndabahanu ya hunde haki ya haya lazimu. Ya toe wajibu ya haya lazimu. Shariti njie haruma utabu huo kaulangu hatuari haku haku. Amjo karadhi, karnafa ya kumante rezinchi. Haukakabati hata mru mzimasisi ulo eparnye ni hadisi hiyo. Ika direkte ma wa indirekte ma. Suwango zifanyo haungo ono kutuhamba. Shakati mdo subutame zingu katuziju. Kabana ula anrubo onze wajua zitowe wanundasi. Karongo zane katide heliyo. Inde haki, inde wajibu. Leweke haki ngeomba intere nga wenamna widai ike nyinji. Eke wajibu ngeomba intere. Haungio nyinji nga wenamna widai ike ntini. Chatido kani mrafanya izu ya nzao. Upande uko ezo watukufu, tijuanza ritanganyie. Enamna namba ukari kena amani, ilike wazima. Amunawe za ruhunda, alhamdulillah. Mwezi mgu harlawza kaduzi nji harumwe amani. Harlawza ukari kabani umuona harumwe independansi atajiru nsi 99 kama dakabira mahamine botojiri kudeta hawajiri tentative kudeta mwezi mgara lauza ka alhamdulillah ranzi 99 fataba hainu malgre kutuzi mwezi mgaja la kazaba hanu mgaja alia ranzi wani la mali wakabja rivurizele balila waraba kawadiwaza wengi abo angazi jartirenge riduwazo kutuzi aba hanga sibazi mangari ndao hauka ekanga sibazi mangabo amani emaswayo mane yabo durjoshi darendele ekale wa administration hatu yonti pia mtu waza yonti pia nganya banga ni concerne ngamwambia ni ukaya yabo zoe nduhamba kadu zizi korispo e safari na alhamdulillah kama joka stendwa na mduzi wafanya mda harman nguwa yiyo na banga mbrongo zonyi yonti pia mdatu shaba kaya maudu mdua hafanya ndoko kada haparwa wahe mdua juu hafanya delegasyon ajata heka na mfunguwe bahundi heswa linga kawarete hewa tideheli zinomba mgundo kaya mahakama watirenge mrubure cha haini mrujo fanya
ati khususa de naba corruption bangizo zinjika bo wizira kadara kadha garjo wana nizo shale wenu tsinkwa hazi ufanye ngoliba hujilibi hojumaye mapesa uliba ambako liba mbatere ukir alhamdulillah monokara bakarla pe majaperi kaboka ya manshatu ya haju garumba mungu ngaja laba hafi nas alhamdulillah ngwashindao welibaze salary wombe mukazi heye hai manshaba lo haju shauti jiheze salary haho kejo heziwa ni sirkali hazila chida za sirkali abo hamarasa watukufa komori mahamu ma akhir kamwa benze nezi muzi dali ya zenzo zirlo nizo zike kweli nando kaya emergence rahamba ukarla we harumanti ya tabu ya akhir kamwa benze rizi waswili ngaja leso ntipiar tanganyihe hodima he amani hantinu ili zenongora hunda paris injenziani ngaja le maudu e mawarathara hunda rinkewana hatu mawaratha ya ntia khiri na amani wajiwa reshele kamwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kem nono uzidina uona.